Bonjour à toutes et à tous. C'est censé être un cosplay de bûcheron. Bon, ça se voit quand même. Oui, ça se voit. Bah, ça se voit surtout sur ouais, lui. Mais c'est dans l'accessoire. Non, c'est-à-dire que toi, tu es né bûcheron. Ouais, c'est vrai. Et le médecin, il a dit félicitations, madame, c'est un bûcheron. Contrairement à toi, nous ne sommes pas nés avec ses atouts. Pas du tout. C'est la raison pour laquelle on rajoute des artifices. Ils vont privilégier le bouc. Quel pays il a envie de coloniser au lieu aujourd'hui, lui? Mais c'est le méchant dans Jumanji. Et ce que vous voyez pas, c'est que je suis en short et qu'il est très court, on y voit un petit peu les couilles. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah oui. Alors déjà, on va souffrir car j'ai un torticolis, regardez. Oh là là. Hop là, petite Minerve. Ça veut dire que tout ce qui est forcé, tourner la tête à droite, ce sera pour vous. Ouais, yes. Réagir à ces vannes de merde à l'autre là. Pareil, vous me direz, parce que moi, la seule manière de le regarder, c'est d'incliner le bassin. Messieurs, dames, pour ceux qui débarquent, nous sommes dans une cellule surveillée par un gardien de prison des plus renommés au monde. C'est moi. Nous en sommes à deux évasions à notre actif, un peu fier. Oui, tout à fait. Après 100 couches de carton et 100 couches de glace, on s'attaque à 100 couches de bois. Oui, vous auriez pu penser qu'il y a un espèce de crescendo dans la complexité. Pas du tout, on a l'impression que c'est un retour en arrière. Et pourtant... Ouais, et pourtant, je pense vraiment que ça va être le plus oui, dur aujourd'hui. Oui, c'est sûr. J'ai mis ma visière pour vous parler de notre partenaire du jour qui est en rapport justement avec la protection. NordVPN vous permet, comme cette visière dans la vie, de naviguer protégé. Alors NordVPN, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un logo graffé à la va-vite par la prod. Et ensuite, c'est une très jolie voix off. Maintenant. Alors, bientôt les vacances? Mojito sur la plage, les pieds en éventail? Mais avant ça, il va falloir réserver avion, hôtel et voiture de location. Observé par les vilains algorithmes qui veulent te voir payer le montant le plus cher. Sauf si tu deviens invisible, insaisissable, comme une savonnette qui glisse sous la douche qu'on n'arrive pas à attraper. Là, tu sais, c'est chiant ça. Bref, deviens une savonnette grâce à NordVPN. En utilisant par exemple une adresse IP étrangère, tu braines l'internet et tu chopes les meilleurs prix. Et une fois arrivé en vacances, tu peux même accéder à n'importe quel contenu étranger ou français sur Disney+ ou Netflix. Quel plaisir. Ah, voilà, mon Mojito est arrivé. Merci. Merci madame. Alors toi aussi, navigue en toute sécurité, sans malware, sans fichiers dangereux, et même sur les wifi publics avec NordVPN. Tout ça pour le prix d'un café par mois avec l'offre de 2 ans. Enfin bon, cette histoire remboursée pendant 30 jours avec un SAV français, j'arrive plus à respirer. Est-ce que je m'arrête là ou je continue? Abonnez-vous à NordVPN, premier lien dans la description. C'est un immense soutien à la chaîne, merci à eux de nous suivre dans tous nos projets fous depuis maintenant près de 37 ans, j'exagère un petit peu. NordVPN, dans la description. En tout cas, les gars, je vous le dis, aujourd'hui, vous ne vous échapperez jamais. C'est pas ce que vous avez dit déjà la dernière fois et la fois d'avant, sinon? Oui, mais cette fois, vous ne vous échapperez jamais. Oui, mais cette fois, il y a un accent. Oui, c'est vrai. On est beaucoup dans la moquerie, genre, il comprend pas, il apprend pas de ses erreurs, mais nous non plus. On sort toujours par le mur que la prod nous indique, alors qu'on sait très bien pertinemment qu'en un quart d'heure, on est sorti par là, il y a rien là. Ah non, mais il y a mieux. Ah oui, il y a ça aussi. Faut pas oublier qu'il y a la porte du cadreur. Votre deuxième erreur, surtout, c'est de se refaire gauler à chaque fois. Absolument. C'est vrai qu'on est les mecs qui restent enfermés le moins longtemps. Ah, 3-4 heures, sachez-le. Effectivement, on est mauvais, mais on est très efficace en évasion. Mais alors, le truc, c'est qu'en plus, on se laisse réenfermer volontiers. Non, mais on s'est attaché à la discipline de l'évasion. Oui. Clairement. Ah. Là, bah voilà, en fait. Ah bah, ouais. Tiens, attends, laisse-moi faire l'autre côté. Ah oui, d'accord. Ouais. Oh, mais avec plaisir. Ça me paraît pas déplacé de vous dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter d'éplucher ma prison? C'est vrai qu'on a tendance vraiment à la considérer comme un fruit. Allez, je vous ramène l'économe géant. Si c'était aussi simple que ça, moi je dis banco. Ouais. Mais au vu de ça, honnêtement, on vient de commencer le tournage, ouais. J'ai la flemme. Et copeau après copeau, parce qu'au final, c'est que des copeaux. C'est vrai, c'est ce qu'on pourrait utiliser pour enlever la colle. Ah. Oh merde. Il a oublié qu'il avait un masque. On oublie vite la visière. En vrai, un pied de biche, et on fait la même chose en fait. Vous auriez un pied de biche? Ah bah je vais vous chercher ça tout de suite. Ah, c'est super. Parce que je suis heureux de vous revoir. Ah. C'est quoi ce pied de biche? T'as répondu au cahier des charges, je peux rien dire, mais quand même un peu énervant. Bon, et attention à mon mur, les jeunes. Comme je dis à chaque fois, on a bâti une relation de confiance. La confiance, ça va être... Allez, va coloniser un pays. Oh, il y a quoi dessus? Il y a une bestiole dessus. Regarde. Alors, what the fuck? What? Ah, elle est tropicale, celle-là. On a un pote de cellule. C'est pas du tout un gars pas prévu. Hein. Il a été arrêté ici pour grand banditisme. C'est votre compain zonzon, comme on appelle ça. Bon, il est mignon avec son pied de biche de mort, là, mais... C'est notre première routine, on a rien d'autre. Voilà, pour l'instant, à part utiliser une cadreuse en guise de bélier, on peut pas... Non. Ça, c'est bien, ça. Dis-toi qu'après ça, il restera que 99 couches.
Qu'est-ce qu'il a prévu ce week-end? Messieurs, j'ai entendu un screech. Non. La confiance n'exclut pas le contrôle, vous le savez. Je me permets de poser cette question qui paraît naïve comme ça, mais vous essayez pas de vous évader là. Non, alors non. Alors, ce qui se passe en termes d'isolation, de chauffage, on est un peu just. C'est une question d'isolation. Voilà. De ce point de vue-là, je n'y connais rien, donc je vous laisse faire. Vu votre accoutrement, on voit bien qu'on est en Norvège. Si vous avez froid, je vous conseille ce petit chapeau couvrant. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. J'ai réentendu un screech. Non, c'est normal. Techniquement, on était largement sur un scooch. T'as déchiré ça comme du papier, quoi. Mais cette planche a pris pour tout le monde. Tous les gens qui lui ont fait du mal dans sa vie ont pris. Ça va, c'est pas parce que je te paye pas que t'es pas obligé d'être chafouin. Moi, les gars, vous savez que j'ai un salaire par personnage. Et moi, je me suis juré qu'un jour, je lirai vos contrats. Et dépêche-toi de passer au perso d'après parce que en 2 minutes, on a fini. Ouais, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Allez, champion. Ah, il va le faire. Attendez-vous à un screech, mais rien de. Mais fais une véranda, le con, là. T'as conscience que les deux précédents épisodes, on avait commencé un petit trou comme ça. Là, t'es en train d'ouvrir des portes. Non, c'est un patio qu'on fait, en fait. On va donner la vraie raison, peut-être, au monsieur, pourquoi on fait un trou ici. C'est simplement pour améliorer notre confort dans la prison. Parce qu'on a remarqué que pour aller à la cantine, faut faire tout le tour de l'aile nord. Alors que là, c'est directement le self. Pénible, ouais. Ok. Pénible. Puis pour rester des gros mangeurs, hein. Je peux te dire que quand vous évadez, je suis triste, mais au moins sur le budget cantoche, je fais des économies. Hein. Yvan, allez, vas-y, mets un petit peu du tien. Là, je faut que je, vraiment que j'essaye de. C'est marrant parce que au début de notre collaboration, Yvan il essaie au moins de faire semblant. Non. C'est bien Yvan. Ah voilà, je t'ai pré-mâché le travail. Putain, les enfoirés. L'aggloméré dès le début, sérieusement. Oh, let's go. Maxime, enchanté. Bienvenue dans mon entreprise. Allez, c'est parti, maintenant c'est bonheur. Derrière, il y a une planche d'aggloméré. Oh non. C'est le même modèle. Oh, bâtard. Ah bah tiens, elle est trop fort, voilà. Oui. Bonsoir messieurs. Peter Pan. Je suis Romain Dubois, contrôleur fiscal. Ah d'accord. Oh, merde. Je vole aux classes moyennes pour donner à l'État. Ah ouais. Et pour ceux qui ne payent pas, ouais. Touc touc touc. Le crayon à constat. Et on vous assure qu'il va payer ses impôts après à la sponsor Norvège. Ah moi je paye tout. Du coup je peux vous laisser cette arme dans ce cas-là. Absolument. Avec plaisir. N'oubliez pas, depuis le 18 avril, vous pouvez aller sur impots.gouv et déclarer vos revenus de 2022 pour l'année 2021. Sans prendre. Ou c'est l'inverse. Tout est vrai. Hein. Impots.gouv. Oui, c'est vrai. Tout est vrai. C'est les vraies infos. C'est mais merde quoi, on s'en fout. Je te sens énervé. C'est moi. Allez. Ah. Ah voilà. Eh, c'est solide hein. Voilà. Ah, c'est cassé. Ah, fais gaffe. Oh, fais gaffe. C'est quoi ce grabuge là? Je dirais pas grabuge, je dirais violence. Vraiment provocative et visuelle. Mais on dirait la batte de Romain Dubois. Étienne, vous avez une rage incroyable. Mon père est mort dans un élevage de bois. Et alors? Ça n'existe pas. Moi, je tiens à vous rassurer, derrière cette planche d'aglo, ouais. Il y a une planche d'aggloméré. Oh putain. Je me doutais bien. Ce qui me rassure, c'est que là, pour l'instant, la taille du trou, moi je passe. Mais non, mais non, mais remettez. Non, mais non, Ah, alors. Allez, madame. Allez. Allez. Oh, oh, j'aime te voir avec la rage, oui. Comme ça, là. Voilà. Voilà. Allez. C'est plus le même gars. Yeah. Allez, t'as de la force. Ah, ça marche. Ouais. Oh, il me fait. Allez. Non, mais pas la peine de se manger. Plus rien ne vous choque, vous. Il prend son cap. T'as rien à foutre. Oh mon La violence de ce type. Oh oui, freestyle. Pour ceux qui veulent reproduire ce mouvement, c'est carré, carré, croix, triangle. Oui, bah oui. Je me suis fait mal. Qu'est-ce qui t'a permis d'arrêter comme ça d'un coup? Allez, tu continues. Allez, va boire un coup, prends le relais. Juste un truc, je vois pas en quoi vous améliorez l'isolation en retirant l'isolation. Ah, merde, on est tombé sur un expert. Alors attends, je vais me le faire. Ok, en fait, je fais mes étirements pour lui répondre. Meilleur isolant disponible sur Terre? La Terre? L'air. Mais à un moment, quand on connaît pas le domaine, je voudrais pas être mal poli, mais on ferme bien sa gueule. Hein. J'aurais dit la boîte de cellulose. Non, mais on retire les couches, on met de la ouate, on remet la... Exactement. Et on remet après. Ok. Globalement, quand on parle d'isolation, faut toujours plutôt écouter le gars avec une visière relevée qu'un gars avec un chapeau colonial. Ça, c'est une astuce qu'on vous donne avec Adolé pour vous. Et les gars, quand je vois l'énergie dépensée et quand je vois ce qui reste derrière... Oh, ta gueule. J'en sirote mon ristretto. Oh, bah tiens, une planche d'aggloméré. Oui. Oui, entrez. Ah, je voulais faire un perso et tout, mais c'est pas la peine. Non. Ah non.
Ah, j'avais pas vu la queue. Il y a un type dans la queue, non? Il y a toute la prod qui s'arrêtait de travailler parce qu'ils sont morts de rire derrière. Le gland, il est fourni. Ouais, c'est un petit plus, quoi. J'étais viré de chez Disney. Ouais, voilà. Soi-disant, je ressemblais pas assez à Tac. Pardon, mais les chaussures, c'est dommage. On met tout ça en forêt. Sinon, ça te nique la boucle plantaire, les épines de pain, là. Vous étiez MC Squirrel. Vous voulez un petit outil que j'utilise pour faire des petits trous? Ouais, ouais, ouais. Tu vas nous filer tes dents de devant? Bah, pareil, on a arrêté d'utiliser les dents de devant. Oh. Ça nous coûtait des frais en orthodontie. Tu m'étonnes. Je vais vous chercher l'outil. Oui, vas-y. J'en rêvais. T'es fait bifler par la queue de Thomas. C'est arrivé. Oula, oula. On utilise que ça. Bon, bah. Eh ben, merci, hein. Allez, à la prochaine. Dino, tu oublieras pas son 4 heures. Ah. Alors. Merci. Oula. Sur le papier, c'est une bonne idée. Dans les faits, tu vas revenir avec autre chose qui te saoule. Ouf. Ah. Hop là. C'est un énorme nom. Non, c'est nul. Allez. Bon. Si vous voulez, avec les collègues, on a des trucs plus costauds. Je vais vous donner quelque chose, mais pas longtemps. Vous savez, David, là, le gros costaud à la production, il a conçu une arme. Non. Oh. Là, c'est plus moi, c'est ma queue, hein, que vous voyez. Vous allez m'ouvrir en fermant les yeux. On peut ouvrir ou pas? Ouais. Qu'est-ce Quoi que c'est que Pardon, ce truc? Pardon, mais ce truc a forcément un nom. Tu te fous de ma gueule. Ok, c'est un bélier. Pourquoi il y a marqué BRI dessus? Mais ça en a flingué du gilet jaune, ça. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait de son temps libre, le David? Ça. Moi, je me suis juré qu'un jour, je lirais les contrats. Ouais, ça serait bien un jour. Est-ce qu'il faut forcément crier « Police !» avant de taper ou pas? FBI, open the door! FBI, open the door! 1, 2, 3. Oh putain, on a pour la GoPro. Ah, le GoPro. C'est nul à chier. Ça marche pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? On s'écarte, tout le monde s'écarte. Attention. Les initiatives comme ça, je sais pas. Oh, t'as failli presque planté. Vous savez que vous avez ça si besoin. Maintenant, on arrête de déconner, vous retirez vos futales, les gars. Il a pas l'air de déconner, les curieux. Allez, bon. Allez, je déconne, les gars. Oh, on a pas essayé, ça. Vous n'arrivez rien à faire Belly avec sa queue ou... Oh, bah oui, on peut, allez, on peut. Allez, on réessaye juste vite fait avec les dents de devant. Ah, sinon, réessayez sans vos pantalons, les gars. Non, toujours pas. Il y a pas une seule écurette dans la forêt. Allez, bonne journée, hein. Il est resté bloqué, non? Ah oui, il est resté bloqué. Ça va? Ça va? Voilà, c'est bon. C'est pas avec votre grosse queue. Vous pensez qu'il est tourné vers la mec, là? Je m'étire le dos, je me suis niqué, le lombaire. Putain! Ouais. Mec, c'est pas la même épaisseur? Ils ont augmenté d'épaisseur, les bâtards! Pas du tout. Ah ouais, pas du tout? C'est pas la même épaisseur, c'est que je me tue à dire. Putain. Ça augmente. Bonjour, monsieur. Tiens, je connais lui. Ah, merci. Waouh, wow. Avec attendez, plaisir. Attendez. Ouais. C'est très agréable. C'est agréable, mais c'est pas forcément évident de le dire dans cette zone-là. Hein. Faut assumer, bien aimé le... Dans le pétou. Ça va, toi, Étienne? Oh, ta gueule. On n'a pas un plus gros pied de biche. C'est le meilleur outil, on l'a en version miniature. Oui. Oh, dis-moi que c'est un pied de biche. Bzzz. Ah oui, ça y est, une abeille, c'est ça. Oui, c'est normal, ça y est. Excusez-moi, vous êtes bien marrant avec vos trucs, mais moi j'ai du boulot. On est d'accord que tout repose sur les costumes là maintenant, là, à partir de maintenant. Pourquoi t'as des pinces de homard? C'est vrai que ça dirait des maniques. Ben, absolument. Sa décharge, j'étais pas cher celui-là. Attention, hein, c'est une abeille estivale, hein, ça s'arrête au short. Hein. Enlevez vos pantalons. Mais c'est dingue ça. Tous les animaux sont dégueulasses. C'est fou, j'ai un problème avec le cul. Hein. Ben merci, hein. Oh merde. Oh merde. Ouais. Bon, on sous-estime vachement l'aggloméré. C'est vrai que les gens se disent « Oh, c'est pas du massif, c'est de l'aggloméré. » Mes couilles. Mes couilles. Mes couilles d'aggloméré. Mes couilles, mes énormes couilles, c'est vrai. J'en peux plus, cet aggloméré, j'en peux plus. Mais j'en reviens pas. On n'a pas avancé, là. 1, 2. On est à quoi? On est à 3 couches. Mais où tu te fous de ma gueule? Ça fait 1 heure qu'on tourne. Mais je suis complètement désespéré. Il faut quelqu'un de réaliste. Pas du tout. Ouais, du... Entrez. Oui, entrez. Oh. 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 C'est quand même fou le choix des couleurs, j'ai envie de dire. C'est le même Pantone. Merci, hein. Maya la babe. Ah, bah ça fera qu'une petite. Je t'en supplie, dis-moi que c'est bien. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Étienne, écarte-toi. Qu'est-ce que tu fais, là? Écarte-toi. Ouais. Ah, ok. Intéressant. Il est surpris lui-même. Ah non, ça tiendra pas. Pour l'escalier? Je voulais m'en servir. Ben oui. Et tu te casses. Non mais fais-le, et comme ça tu vérifies l'épaisseur qu'il y a. Ok, ok, vas-y, ok. Vas-y, profondément.
Vas-y, comme un bœuf. Test, test. Pas mal. Bah. Vas-y. Oui, oui. Va choper des infos. C'est comment? On est dans la merde, les gars. Il y a vraiment une forêt. Attends, combien il y a de planches comme ça, là, comme on est en train de faire déjà? Ok, bah il y en a une deuxième de grosse. Et après, il y a deux couches petites de médium. Ça va, bah, on change de couche après. Yes. Deux couches de grosse, trois couches de grosse, trois couches de moyen gros. Mais jamais on finit dans les temps, là. C'est clair. Une couche de gros, une couche de gros, une couche de gros, une couche de moyen palissade, une couche de gros palissade, une couche de petite ronde d'arbre. Et une couche de gros tronc d'arbre. Alors maintenant qu'on a le même niveau d'information, faites-moi les malins, hein. Oh bah non. On a le droit à ça ou pas? Tu couperas ça au montage, hein. Parce qu'après les gens ils vont croire que je triche. Ah bah t'es revenu alors. T'étais allé faire quoi? Tu t'es calmé. T'aurais dû mettre beaucoup moins d'entrain quand t'as vu ce que j'ai vu. On sortira jamais d'ici. On a trouvé une technique qui fatigue pas trop. Non, ça a l'air, t'as pas l'air de fatiguer là. Oh, c'est de la merde. Oh, fais chier. Je vous y avais dit que cette fois, yolé yolé. J'avais oublié lui. Bon allez, je vais essayer de vous redonner le moral. Même si c'est pas mon rôle, hein, normalement, en tant que chef de prison. Qu'est-ce que j'aimerais bien aimer. C'est dommage que j'ai un torticolis aujourd'hui. Oh. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Bah mec, j'ai loupé, je suis arrivé là. Ah, nice. Je vais pas prendre un mètre pour mesurer, hein, parce que bon... Ouais, je pense que c'est pas nécessaire, hein. Attends, t'es le type de tout à l'heure qui était sur le GoPro. Oui, c'est moi. Non, parce que j'ai cru comprendre que c'était difficile, et du coup, j'ai décidé de venir vous aider en tant qu'appui technique. Oui. Tu es une termite? Je suis une termite. Oh, oui. Fort. Moi, ça me connaît, le bois, c'est ça, là, ça me... Évidemment. Je passe mon temps à bouffer ça. Alors, les humains, ils en ont là-dedans. Ouais. C'est-à-dire qu'ils foutent des produits chimiques pour pas que je... Ouais. J'essaie de reconnaître le 304 quand j'en goûte. Et voilà. C'est vrai. Du coup, on a appris avec nos potes à utiliser des outils au lieu de nos chicots, tu vois. Okay. Du coup, je vais pouvoir vous aider. Non, mange pas, c'est peut-être pas bon pour les termites et pour les humains aussi. Alors, qu'est-ce qui nous emporte? Bah là, faut y aller, hein. Ah, d'accord, il a rien. Il a rien du tout, il a dit faut y aller. Tiens, un écureuil. Beaucoup de déguisements de merde pour une si petite pièce. Ça, on en a conscience. Mais j'ai mon copain Rick le termite qui m'a appelé pour me dire que vous étiez en galère. Du coup, on s'est réunis avec les collègues. On a fait un litchi. Et puis, bah voilà ce qu'on vous offre pour votre petit anniversaire. Allez, tu vas jusqu'au bout maintenant. Jusqu'où ça va? Tu me permets? C'est quoi ça? C'est hyper satisfaisant comme bruit, mais ça sert à rien. Oh oui, absolument. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh non. What the fuck? What the fuck? Il a sorti là! What the fuck? Scott! Ça va, mec? Est-ce qu'avant que je meure, vous pouvez me montrer vos queues? Ouais, hein. Si ça peut dépanne. On y retourne! Oh non, mais. Écoute-moi bien, je sais que ça peut paraître long et fou, mais ça c'est quand même assez épais, on est d'accord, c'est long quoi. Si là on fait un trou de rond côte à côte, certes ça va peut-être nous prendre une demi-heure, mais on va quand même enlever ça d'épaisseur. Alors, en une demi-heure. C'est une super bonne idée, ouais. Mais t'auras jamais assez de batterie. Ouais, mais je connais un écureuil. Ça marche très très bien. Toujours sur les travaux d'isolation, on rappelle. Oh, les gars! Qu'est-ce qu'il y a? Après, avec une scie sauteuse, on fait ti 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 ti. Oh, il faut une scie sauteuse! Oui, je suis sûr que l'écureuil a ça en réserve. Attention à toi. Merde! C'est chiant à pas! Aïe! Ça a pas marché. Il se fout de ma gueule! Ah, c'est bloqué. Ça, non, je vais te la débloquer, non, je vais te la débloquer. Qu'est-ce que tu fais, mais non? Alors qu'en réalité, il s'est passé ça. Eh ben, c'est super. Écoute-moi bien, tu vas retourner avec ta famille de termites, puis tu vas pas nous casser. Oh non. Un petit coup de pied de biche ici pour voir comment ça fait ou pas? Allez. Non. Bah ouais, tu comprends pas ce que je dis. J'ai l'impression que... Fais attention, Étienne. On est toujours sur la même batterie. Bon. Non. T'aurais pas une autre perceuse, écureuil? J'arrive, messieurs. Par contre, il m'est arrivé une petite galère. Ah, oula, c'est... Vous arrivez à un truc entre-temps. Ah, c'est un serpent, oui, d'accord. Vous étiez tranquillement en train de me laver et pss. Ah, pardon, c'est un costume, non pas de serpent, mais de proie. De proie. Il est super bien fait. Si vous me sauvez, bon, déjà, je vous donne ça, parce que ça, déjà, c'est chose. Et si vous me sauvez, eh ben, j'arrive avec une arme très contendante. Ok. Merci. Vous voulez une arme très contendante? Je vous présente Omar.
Omar Sy sauteuse. Ah, il est. Allez, champion. Ah. Ce costume était si peu rentable. Oh, regarde. Ok. Oh, le médium, comment il va? Ça fait une demi-heure qu'on t'attend, enculé. La suite dans un épisode 2, puis on rentre chez nous. Oulala, oulala, ça y est, je m'en rappelle de celle-là. Et on a changé le concept de la vidéo, hein. Moi, j'ai acheté l'affaire et je vois mieux d'ici. Et lui, il a vu où étaient les armes, il va les chercher. J'ai vraiment peur, parce que si ça marche pas, on n'a pas d'autre option. Non, sincèrement, on doit être à même pas 10% de l'avancement total. C'est une douzaine, là. Sachez qu'on n'a jamais été aussi démoralisé dans une vidéo sans couches. On a ici effectivement toutes les couches d'agglomérés, puis les couches de contreplaqué, puis de la merde. La prod m'a indiqué qu'il y avait 53 cm. Combien on est là? 12, 13, allez 20. Donc la moitié? À peine. Chiant. Bonjour. Ah. Du coup, ça fait longtemps qu'on tourne, donc là, bah voilà, j'avais pas ça au début. Maintenant, j'ai de l'arthrose, je m'approche de la retraite. La barbe. Ça fait si longtemps qu'on est dans la cabane, nous? Beaucoup trop longtemps. Ça, c'est sympa, parce que j'avais une petite tout à l'heure. Ça fait combien de centimètres, ça? Pour savoir si on traverse, quoi. David, il a dit que ça faisait trois fois son trilili. Ah ouais, c'est vrai, David a dit ça. Vous vous barrez quand? Le plus tôt possible, en tout cas, on espère. Je dois dire que vous avez été performant sur celle-là, parce qu'on en aurait presque ras le cul. Moi, j'ai une passion, c'est interrompre les gens avec des tronçonneuses. C'est vrai qu'il fait ça souvent. Tu veux pas élargir là, vraiment genre partir de Ah, si, c'était juste pour voir si on traversait avec cette longueur, mais malheureusement, y a pas de joueur. Eh les gars, vous savez ce que je vois là devant moi? Non. 1, 2, 3, 4, 5 glands. T'es une sorte de type dans le Seigneur des Anneaux qu'a le Covid, enfin. Je cherche un jeu de mots avec Saruman et passe sanitaire, j'ai rien qui me vient. Gandalf le grip. Oh. J'en ai marre. Ah d'accord. Après, si je puis me permettre, vous avez les clés quoi. Et ça fait presque quelque chose hein. Ouais. Il va faire un trou là. On est tous un peu à cran, c'est normal, à un moment ça dérange. C'est un cauchemar. Je suis en train de ouais. Ah, allez, on est prêts. De cauchemar. C'est une bonne séquence ou pas? Oh, oh bah voilà. Ah, il y en avait encore derrière. Vous avez complètement perdu de vue votre personnage. Vous êtes censé nous empêcher de faire tout ça. Regarde. Ah bah c'est fini. Non, vraiment. Allez hop. J'en peux plus, ça me démoralise ce trou de merde. C'est une fin de tournage. Non. J'ai une question à vous poser. Vous qui êtes dans la partie du... tu peux faire ton trou, hein. Tu me ferais visiter les locaux? Ah oui, si vous voulez. Par curiosité, hein, je sais pas non plus. Donc ça, c'est un hangar qui a été acheté par ce gars. Ah, mon petit bout à la prod. Si on peut rester un minimum roleplay quand même. Ah d'accord, ok. Parce que là, j'ai l'impression que le quatrième mur, vous l'avez pris, vous avez fait. Ça, c'est mes costumes, t'as vu? Je peux te montrer ceux que j'ai pas encore mis. J'avais le guide de la forêt, tu vois. Griffondard. Oui, c'est pas ça, moins bien. Ça. Oh, quelle vue vous avez! Ah bon, c'est pas mal hein! Qu'est-ce que tu branles? Voilà, il y a un insecte, dis-toi que déjà d'ici il fait gros. Mais en bas, c'est la plus grosse blatte que j'ai jamais vue. Ah, c'est très satisfaisant de les voir galérer d'en bas, en haut. Ouais, ça n'a rien à voir. J'ai dit, t'es loco avec le patron! J'ai pas le projet. Ouais, là, je le sens, je l'écoute au son, je sais qu'on est loin. Après, on peut commencer à défoncer par là, hein, nous. Ah ouais, à la hache comme ça? Bah, ça a plus rien à voir, mais. On entend les trucs! Il attaque la terrasse! Très sympa, je voulais la prison. Au niveau de tout ce qui était les autres détenus, il y a... C'est du vent, quoi. Symphonie numéro 5 en la bémol. J'étais de l'autre côté. J'ai des contacts. Au son. On est pas loin? Non, alors ça non. Mais par contre, on a atteint un morceau particulièrement dur qui s'intitule le bois de terrasse. Alors, qu'est-ce que le bois de terrasse? C'est un bois qu'on utilise essentiellement pour faire des terrasses. J'aurais pas deviné. Qui est très dur pour pouvoir marcher dessus. Je suis vraiment désolé de vous interrompre. Ok. Quoi? Non. Me fais pas les coups comme ça. Oh, ah bah si. De la lumière. Oh putain. Je sais pas d'où ça vient, mais ça c'est le jour ça. J'ai une idée. Les troncs ils sont pas attachés. Avec le bélier là. Oh, mais voilà. Fais tomber. Il va finir par nous servir ce que là. Oui. Il y a sa voiture à 18h à aller chercher. Explique ça à la caméra. C'est ta vraie motivation premier degré. Explique aux gens. La voiture est en train de se faire changer le pare-brise chez France Pare-brise à Beaucouzé. Faut que je récupère ma voiture à 18h, donc c'est pour ça qu'on charbonne là. Arrête, s'il te plaît. Ouais. Oh my god.
c'est ce qui me semble, c'est bon. Gros, vraiment, on se rapproche de ouf. Là, j'ai fait ma petite enquête. Oh putain. Non. Oh putain, non, le relou. J'en peux plus. Tout seul. Je vais putain, j'en peux plus, il y a même le gardien de la prison qui nous aide. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo de merde? On respecte plus le scénar. Bon, on mélange tout, tu prends la caméra, c'est toi qui cadre, Diane, tu creuses. Je peux faire la compta plutôt. Ça devrait être une mauvaise nouvelle. Oh, regarde. What? Mais quoi? C'était attends, celui de tout à l'heure. Mais il est encore actif. Ça va tout ouvrir, je m'y connais bien en thermodynamique. Non, je pense pas du tout. Oh mais ouais, mais c'est d'une violence. J'ai perdu un œil, mais ça valait le coup. Non, non, ne dis pas que... La terrasse. Qui dit terrasse dit apéro, non? Absolument. Ah, mais à une condition, faut tous qu'on soit comme ça. Ok. Laisse tomber l'apéro. Je crois que j'arrive trop tard. Attends. Santé. Oh, le bâtard. Ah, ça fait ça. C'est quoi après derrière? Ah, bah qui dit aggloméré dit apéro. Est-ce qu'on mettrait pas un petit pétard dans le doute? Là, tu me parles. Gland piégé, attention. Quoi? Je sais pas ce que ça va donner au montage cette vidéo, mais ça n'a aucun sens. Give up son rôle. J'ai compté, je suis à 27 persos sur cette série. Au bout d'un moment, t'as plus d'imagination à 27 persos, non, donc mais... t'es obligé de t'alcooliser. Mais c'est le moment où t'avais la tête dans un cobra gonflable. Moi, je me suis dit que si t'allais plus loin, ça allait dégénérer. Gros, on va pouvoir attaquer la forêt là. Oh, enfin. J'entends la liberté. Elle te dit quoi? Tends l'oreille. Dans la description, cliquez sur le lien d'accès pour un bonus gratuit, j'ai l'air fait. Ah, intéressant. Je serai vous, je foncerai tout de suite télécharger NordVPN. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau point trou. Votre point trou vous permet de faire le point sur le trou. Ici, nous avons l'épaisseur du trou avec autant de plaques que de gens qui vont être virés dans la prod à l'issue de ce tournage. Et ensuite, nous avons directement une forêt, d'abord avec des troncs d'une dizaine de centimètres de diamètre. On y est presque, hein. C'est qui? Puis on passe directement à une 20-25aine de centimètres de diamètre pour les suivants. Mais c'est dingue. Il tient toute la vidéo sur ça. Ça me fout de rire. C'est bien. Et c'est efficace, enculé. Donc là, je vois qu'une chose, puis il y a la tronçonneuse. Non. Écartez-vous! Allez, vas-y! Oh ouais! J'aurais jamais cru trop que ça serve à quelque chose à un moment donné. Putain, incroyable! Tu m'en mets un deuxième? Vas-y! Oh, ouais, t'as mal visé là! Allez, tu peux le faire! Merde! Mets-toi proche! Oh! Bon, en vrai, on passe là, non? On passe tous, hein! Il y en avait encore un sous le coude, hein. Bienvenue dans la forêt magique. Une fois là-bas, il y aura 117 épreuves à passer pour sortir. Oh merde. On l'a fait. Et il l'a fait. Il l'a fait, nous on a regardé. Il, quand tu dis il, tu parles de moi? Je pointais du doigt. Vraiment ce gars-là. Tu l'as fait. C'était pas facile. Oh la poussière, bah ouais. Sans toi, on était encore dedans. Eh, tu vas dire merci au copain. Bravo. Champion, va. Ouais, super. Ah. Ah, c'est parfait. Allez, patron. Attention au coup. Ah, j'ai un lumbago. C'est bien de faire passer la personne âgée en premier. Mets-moi un coup de grosse Bertha comme ça. C'est dur. Ah, j'ai trop mal au cou. Aïe, aïe, aïe. Il me fouette le cul, roi de la forêt. Merci, les potes. C'est super dehors. Par contre, il avait raison pour les 117 épreuves. Là, je suis déjà en train de faire un truc avec deux billes et une ampoule. C'est pas les plus beaux moments de la chaîne, ça. Ah, wow. Comme sur des roulettes. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? J'arrive. Regarde cette image. Attention au tronc. C'était bon, on te tient, gros. Ah, oh, j'en peux plus. Partout, c'est en métal. Télécharge NordVPN. Ah oui. Et bravo pour la première épreuve, plus que 116 autres. Messieurs, dames, tout youtubeur qui se respecte se doit de proposer à son audience ce qu'on appelle dans le jargon une outro. Eh bien, sachez que pour cette fois-ci, ils iront bien se faire foutre. Merci NordVPN. Viens dans la description. Au revoir. Ah. Qui veut un caillou? Oh, bah tiens, j'ai pas mangé ce midi.